Eh bien, Billy est avec vous. Et il vous salue. Nous allons continuer à échanger, à témoigner, à vous écouter, et aussi, je rajouterai quelques compléments s'adaptant de manière extrêmement fine concernant la conscience. Mais tout d'abord, je vous écoute. Alors, c'est un témoignage d'une sœur absente. Nous sommes tous aux anges. Je voulais juste témoigner quelque chose vécu hier soir en écoutant Billy. Les yeux ouverts, tous ces mots se sont inscrits en lettres de lumière dans ma chambre, en une écriture inconnue, comme sur un grand tableau transparent. Mille merci à Billy. Fin du témoignage. Je te remercie, mais ce qui t'est donné de voir, c'est-à-dire mes mots mis en forme, est la stricte vérité. Je vous ai dit hier que mes mots étaient le verbe. Le verbe est l'essence de la forme. Ainsi donc, par l'activation de vos potentiels nouveaux, vous êtes extrêmement nombreux à me voir, à m'entendre, mais aussi à me sentir en vous. Ceci est une réalité. Il existe en effet une capacité, par mon vécu quand j'étais incarné, de aujourd'hui vous accompagner par le verbe et le silence à l'intérieur de vous. Ne me voyez pas non plus comme un Christ, mais bien celui qui a parcouru l'alpha à l'oméga. Mes paroles ne pouvaient pas échouer. Je vous en apporte à chacun aujourd'hui la démonstration formelle. Ainsi donc, ce témoignage correspond à la stricte vérité de votre irruption au sein de l'éternité, au sein des mondes libres, quel qu'en soit l'aspect, que cela soit visuel, que cela soit dans l'évidence, sans aucune autre manifestation de ce grand vide, de cette grande joie qui ne vient que de votre résurrection et de vous-même, ou encore par quelque figure que ce soit, ayant parcouru ce monde et ayant œuvré à ce qu'il se passe aujourd'hui. Le moment nommé collectif approche à grands pas. Et comme cela vous a été dit par l'acolyte ou par moi-même, vous avez toutes les cartes en main, toutes les possibilités d'action. Que cela soit depuis ce sac de viande, à travers l'ensemble des consciences qui vous constituent, qui ont émergé au sein de votre éphémère, et se manifeste dorénavant de façon de plus en plus extensive, et ce, quels que soient les processus vibratoires antérieurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer de l'ego à la vérité, sans passer par le soi. Et vous serez chaque heure de plus en plus nombreux jusqu'au moment collectif. Votre présence entière et pleine au travers de ce sac, même si vous n'en sortez pas, vous permet d'agir de la même façon. La meilleure des actions étant le silence, l'accueil, se laisser traverser et œuvrer dans le don d'amour, depuis le rien ou depuis le tout, avec la même efficacité, venant mettre fin à l'illusion de manière formelle, de manière définitive et totale.
Ainsi est la liberté. Éloignant de vous les souffrances, les blessures, les comportements, l'illusion d'être de ce monde, l'illusion d'être ce corps, cette société. La liberté ne fera plus jamais aucun compromis par rapport à la vérité. Et cette vérité est commune à chacun. Aujourd'hui, il est temps de lâcher ce qu'il vous semble être encore en train de tenir et de vivre cette évidence, cette contagion de la joie, de l'amour, de la vérité, de la lumière et de la sagesse. Vous ne devez dépendre d'aucun être, ni même de nous, même si nous sommes là en vous. Allez à l'essentiel, là où il y a le vide si plat de cet amour que vous avez toujours cherché en ce monde sans jamais le trouver. Le processus de diffusion au travers des consciences nues, qu'elles soient dépouillées de ce corps ou au travers de ce corps, a été accompli à la perfection, amenant le champ de cohérence nommé matrice christique, non seulement en présence, mais en activité par vous-même, de vous-même, sur l'ensemble des consciences de la Terre, sur l'ensemble de ce système solaire, au-delà de toutes les dimensions, jusqu'à l'absolu. Oubliez tout ce qui peut vous gêner dans votre tête, dans votre corps. Il n'est plus temps de tergiverser, il est temps d'être pleinement et entièrement ce que vous êtes, sans fuite, sans condition, sans culpabilité et sans souffrance. Vous allez être de plus en plus nombreux. En attendant l'événement qui est à la porte, vivre non seulement votre résurrection, mais une guérison totale. Je parle de la chair comme de la tête. Et cela, vous allez le voir de façon là aussi de plus en plus extensive, en vous comme autour de vous. La lumière vous prend entièrement, c'est-à-dire que vous vous prenez vous-même en main et au cœur, afin d'établir la vérité de l'amour, la vérité de votre présence, comme la vérité de votre absence. Il ne vous reste plus qu'à être, qu'à vivre, sans être affecté par le moindre demain, la moindre anticipation de peur, car vous le constatez chaque jour, plus l'événement s'approche à grands pas, plus vous découvrez de manière collective et individuelle la vérité, c'est-à-dire que vous êtes antérieur à la conscience, vous êtes l'amour en totalité, la totalité des mondes, la totalité des possibles, la totalité des merveilleux, rien n'échappe à ce que vous êtes. Vous sortez du temps, vous remplissez l'espace de votre présence, de votre radiance, de votre évidence et de votre éternité. Acceptez cela et cela va grandir à chaque minute. Cela va se manifester de façon de plus en plus évidente, non plus seulement au cours des vagues actuelles, mais de manière de plus en plus extensive. Quel que soit le déroulé de la scène de théâtre, qui est simultané, plus vous êtes en joie, plus l'illusion disparaît. Il ne peut en être autrement, et vous êtes dans ces moments-là qui participent ensemble, tous unis dans le même un, dans le même cœur, dans le même absolu, mettant de façon collective, avec l'aide du ciel et de la terre, l'illusion de ce monde, retrouvant sa gloire, retrouvant sa liberté, aussi bien pour la terre que pour le système solaire, que pour l'ensemble des consciences, où qu'elles soient sur cette terre.
Il y a donc une notion non plus seulement de joie et de silence, mais de forme d'allégresse collective qui contrastera d'autant plus avec les événements matériels se déroulant sur cette scène finale. Vous n'en serez affecté en aucune manière, la peur est éradiquée, il ne reste plus que l'amour. Tout le reste passe, et vous le voyez s'éloigner de plus en plus, avec de plus en plus d'éclairage, non pas pour la personne, mais sur la reconnaissance de qui vous êtes. Dorénavant, vu ce qui a été nommé les Eucharisties, vous le savez, les grands archétypes de l'humanité sont présents en vous et actifs en même temps sur ce monde, comme au ciel, tout comme vous. Il n'y a aucune différence. Vous avez les mêmes pleins potentiels, la même responsabilité d'amour, la même autonomie, même si vous êtes encore dans ce sac de viande. Vous pouvez le mener, à partir d'aujourd'hui, de l'intérieur de ce sac. Comme je l'ai dit, vous êtes relié à la matrice christique par le chakra du cœur et par le nouveau chakra intégral du front, qui n'est pas le troisième œil, qui est la réunification des 12 étoiles qui avaient été séparées par l'enfermement, vous donnant donc ce plein potentiel d'action concernant le nom même et la résonance et la fonction des étoiles appliquées à la vérité et non pas à ce monde. Car l'éclairage des étoiles, vos propres étoiles sur ce monde, entraîne une dissolution immédiate de l'illusion et certainement pas une compréhension de l'illusion, mais une compréhension de la vérité par le vécu direct. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas être trompé. Vous êtes dans cette évidence, si vous n'y êtes pas, vous allez y venir sans rien faire. Parce que cela est présent de partout, là où vous êtes. Et c'est cette présence permanente de la conscience libre, nue, que cela soit à travers un corps ou hors de ce corps, qui est agissante et qui va focaliser la lumière sur ce qui est vu. Et si ce qui est vu est éphémère, cela disparaît. Certes, parfois de façon un peu bruyante, que cela soit en vous, que cela soit n'importe où à la surface de cette terre. Mais ce bruit n'est rien par rapport à la profondeur du silence, par rapport à sa prééminence et par rapport au tout brouhaha de votre personne comme de ce monde. Vous n'êtes définitivement plus de ce monde, vous êtes encore sur ce monde, mais la vérité a éclaté et elle se propage. Vous avez juste à disparaître ou juste à être en joie. Cette joie particulière dont nous vous parlons depuis tant de temps, qui aujourd'hui est vécu de façon de plus en plus permanente au travers de ce sac. Le sentiment de liberté, malgré les contraintes sociétales et de calendrier de ceux qui s'opposent à la lumière, est là en permanence avec vous, en vous, autour de vous, disponible pour n'importe quelle conscience sur cette terre. Fondamentalement, aujourd'hui, il n'existe aucune différence entre celui qui se libère d'un coup d'un seul, sans aucune histoire préalable, sans aucune vibration préalable. Il est efficace de la même façon que le Christ. Alors osez être vrai, osez montrer votre lumière,
Osez agir par le silence et l'évidence et ne vous préoccupez de rien d'autre. La résurrection accompagne dorénavant votre libération effective, l'ascension effective de la terre au niveau individuel et de plus en plus collectif. L'événement, bien sûr, syntonisera l'ensemble des consciences de la terre sur la vérité éternelle, quoi qu'il advienne. Vous n'avez à vous préoccuper de rien si ce n'est accueillir quelque élément qui se présente, car même si celui-ci vous semble opposé dans un premier temps à la lumière, il ne fait que concourir à l'installation permanente de votre liberté et à l'événement. Je vous avais parlé depuis 3 mois de ce système de balance entre l'éphémère et l'éternité. Aujourd'hui, cette éternité, comme vous le constatez, prend toute la place. Et au fur et à mesure que cette place est occupée, tout ce qui appartient à l'ancien, à l'histoire, à la prédation, au contrôle, à l'enfermement, seront définitivement dissous dans les heures et les jours qui viennent. Il ne s'agit en rien de prédiction, de prophétie ou d'annonce, mais de la réalité qui se vit d'ores et déjà. Autre témoignage. C'est un témoignage en 2 parties d'une sœur présente. Bonjour Bidi. Je me suis fracturé hier les 2 malléoles de la cheville gauche. En attendant les frères et sœurs, je me suis mise dans le cœur et la cheville aussi. Je n'ai pas trop souffert. Ensuite, Jean-Luc et les frères et sœurs sont venus m'aider avec le cœur. Ils m'ont soulagé. La radio a montré fracture déplacée, malléole externe et fracture malléole interne. Je reste toujours dans le cœur. Le chirurgien me conseille de partir à Barcelone pour me faire opérer. Je lui dis non, tout va bien et lui répond ça arrive rarement. Après le plâtre et la radio de contrôle, la fracture est réduite. Je suis restée dans le cœur et la cheville. Et j'ai eu l'aide des frères et sœurs et de Jean-Luc. Je les remercie du fond du cœur. Ça me permet de continuer les vacances. J'ai évité l'opération. Merci à la lumière. Merci à vous tous. Vous voyez, ça fonctionne. Fin de la première partie. Alors, ça fonctionnera totalement ? Au-delà de l'aide des frères et des sœurs, au-delà de la réduction de ta fracture, n'oublie pas que très vite, tu as aussi la possibilité d'agir par miracle en toi-même. Ce qui devait être évacué, c'est certes évacué très violemment, mais comme tu le dis si bien, la joie demeure. Mais comme je l'ai toujours dit, même si c'est une libération par un événement de cette nature, il est quand même de votre devoir de vous en occuper sur tous les plans, sur le plan de la matière, sur le plan de l'énergie, et bien sûr aussi, comme tu l'as fait, par ton cœur.
Mais très vite, l'action de ton cœur, c'est-à-dire la réabsorption de cette fracture dans ton cœur, pourra amener avec évidence et contrôle le miracle. Mais toutefois, si le miracle n'a pas lieu, il convient de s'en occuper avec les moyens anciens. Ces moyens anciens, si je peux dire, qu'ils soient chirurgicaux ou autres, se passeront de toute façon beaucoup mieux que dans tous les autres cas, parce que tu es demeuré en joie. Mais je conçois tout à fait que dans ce cas-là, il est peut-être plus souhaitable d'éviter ce que tu nommes chirurgie. Mais il n'y a que l'examen, ton vécu, qui te le confirmera. Mais en tout cas, tu démontres par là même que quelle que soit la douleur, quel que soit l'événement, la joie demeure. Et c'est bien là l'essentiel. C'est bien là la seule chose importante. Ainsi, tu témoignes que quelle que soit l'atteinte de ton intégrité ici physique, la joie n'est pas partie. Et à partir du moment où tu demeures en joie, en la vérité de ton cœur, quel que soit l'événement concernant ton corps, ton pays, ton quartier ou le monde entier, ne changera absolument rien. La joie demeurera. Là est la vérité. Je te remercie. Eh bien, Billy, écoute. Alors, seconde partie de ce même témoignage. Cette nuit, je me suis mise dans le cœur et j'ai fait des allers-retours. Cœur-cheville, cheville-cœur. Et tout d'un coup, je ne savais plus très bien où j'étais, entre la cheville et le cœur. Je me suis dit, je suis perdue. Et je me suis dit, mais enfin, Billy, je vous attends, où êtes-vous? Très peu de temps après, j'ai eu des chatouilles sous les pieds, sous le pied droit, et il a été secoué. J'ai compris que c'était vous, Bidi. J'étais remplie de joie. Je riais et je pleurais de joie. Merci, Bidi. Fin du témoignage. Je te remercie, et par là même, tu te montres que malgré la fracture, tu as été capable de connecter ton essence, ton cœur. Et à ce moment-là, tu ne peux que constater que je suis déjà là. En effet, je suis toi comme tu es moi, et je le démontre à chaque fois que je rentre en contact avec vous, que cela soit ici par le Verbe, que cela soit chez vous, dans votre cœur, lors des travaux réalisés par la lumière, en ce moment. Tu en es donc la preuve vivante. Alors ne vous fixez pas non plus sur ma forme, mais rappelez-vous que je suis toi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a encore une petite distance entre ce que tu considères être toi et moi. Mais toi et moi, dès que tu le conscientises, nous sommes un. Donc surtout, que ce soit le Christ, Marie, Michael, l'acolyte ou toute autre figure, n'a aucune espèce d'importance parce que notre spécificité commune est l'amour et la vérité. Tout le reste ne sont que des attributions, des attributs, des décors qui passeront eux aussi. Allez à l'essence de la joie, au-delà de la forme, même si vous me reconnaissez en vous, ou dans mon approche de vous, que
que cela soit le Christ, Marie, Michaël et tant d'autres. Ils ne sont que vous. Alors là aussi, vivez ce qui est à vivre avec moi, avec qui vous voulez, avec une autre âme, mais n'oubliez jamais l'essentiel, tout est un. Il n'y a qu'une conscience fragmentée. En ce monde, il n'y a qu'une conscience en toute dimension, s'exprimant par le jeu de la forme et le jeu de l'espace. C'est bien plus que ce que vous pourriez nommer sur cette terre une forme de fraternité, mais une fraternité céleste qui ne connaît aucun lien à ce monde et aucune attraction à ce monde, à l'illusion. Mais je te remercie encore une fois, ton témoignage est éloquent. Qui veut parler? Témoignage écrit d'une sœur présente. Cet après-midi, en alignement, est apparu au cœur du cœur ce qu'on pourrait nommer une soucoupe volante, qui s'est mise à tourner de plus en plus vite à l'horizontale, jusqu'à des vitesses vertigineuses. Puis une soucoupe similaire est apparue au troisième œil, toujours à l'horizontale, et qui tournait à la même vitesse. Plus tard, au centre de la poitrine, est apparue une lumière blanche qui venait de l'intérieur et se diffusait à l'extérieur. Cette lumière a pris de plus en plus de place jusqu'à occuper toute la cage thoracique. Même si le reste du corps était toujours présent, je n'étais plus que cette lumière très intense, vive et douce qui occupait tout l'espace. Un peu plus tard, me promenant près du ruisseau, quelque chose m'a arrêtée. La tête tournait un peu, j'ai fermé les yeux. Mon corps était présent et vide, et je n'étais plus que la forêt, l'eau qui coulait et les oiseaux. Fin du témoignage. Et fin des problèmes, quels qu'ils soient. La conscience s'est vue elle-même. Elle n'est plus limitée à la personne, au sac de viande, au concept ou tout ce que vous connaissez en ce monde. Vous êtes aussi bien l'ensemble de la forêt, animé de la même vie, vous êtes l'éclat du soleil, la fourmi qui se déplace, comme l'eau qui coule. Beaucoup de frères et de sœurs, de toute tradition, surtout au XXe siècle, vous ont laissé ce genre de témoignage. Vous passez d'un état enfermé à la vérité de la vie, instantanément. Le plus important est ce mécanisme de la conscience. Bien évidemment, nous vous avons donné tout au long de ces années nombre d'éléments pour vous repérer, mais comme tu l'as vécu, dès l'instant où tu vis cela, tous les repères antérieurs sont balayés. Tu n'en as plus besoin. La conscience est nue. Même si elle ne sort pas de ce corps, elle est toutefois présente au travers de ce corps. Ainsi, ce témoignage, comme les précédents, nous montre clairement que le processus qui est en cours est à nul autre pareil. Ça n'a jamais existé sur Terre, quel que soit le pays. Regardez dans mon pays, l'Advaita Vedanta, depuis des siècles, la non-dualité n'a jamais été prépondérante avec tous ces dieux de partout de pacotille. Comment voulez-vous que l'Advaita Vedanta puisse se vivre
Or, aujourd'hui, vous le vivez indéniablement, quel que soit votre préalable et quels que soient vos antécédents. Que vous faut-il de plus pour ceux qui dorment dans leur coin? Je ne parle pas d'ici, mais de tous ceux qui m'écoutent et qui vivent les vibrations ou qui vivent cette joie. Il n'y a plus à hésiter, il n'y a plus à s'interroger, il n'y a plus à se croire coupable. Il n'y a rien à attendre, rien à projeter, rien à demander, rien à prier. C'est là, en vous. Même si vous ne sentez rien, même si vous n'avez encore rien vécu, ou même si vous êtes en souffrance, bientôt, en ce moment et dès demain, cela ne fera plus aucune différence. Et vous allez le voir avec une intensité et une propagation qui, elle non plus, n'a jamais existé sur la Terre. Il y a, par l'accès à cette conscience nue, une forme d'instantanéité ou de raccourci du temps qui vous montre que vous avez échappé au temps. Si vous étiez capable, et ça vient, de vous déplacer en ultra-temporalité, vous constaterez que vous pourrez agir sur votre corps, sur un moment qui est déjà passé ou qui n'est pas encore arrivé. Vous êtes donc individuellement votre propre maître du temps et de l'espace. Et le temps intérieur ne présente aucune superposition ou comparaison possible avec le temps de ce monde, vous le voyez bien. À travers les multiples états vécus, progression de la résurrection et de la libération. Que voulez-vous faire d'autre? Il est temps de jeter par-dessus la tête toutes vos connaissances, tous vos a priori, toutes vos réticences et toutes vos interrogations. Il n'y a que l'évidence. Comment voulez-vous la vivre si vous cherchez ce qui n'est pas évident? Vous ne pouvez rien chercher. C'est la lumière dorénavant qui vous cherche de partout. Et c'est ce que vous êtes. Donc regardez l'absurdité de la personne qui se débat et qui croit ne pas y être arrivée, ne rien vivre. Bien sûr que le fait d'assister, d'entendre, d'écouter, de lire tous ces témoignages ne peut que vous faire baver. C'est fait pour ça. Quand vous aurez suffisamment bavé, vous le vivrez. Et là aussi, vous n'aurez plus jamais soif. Il n'y a personne de supérieur à quiconque en ce monde, ni le Christ, ni moi, ni vous. À ce moment-là, acceptez cela. Il n'y a rien au-dessus de vous, il n'y a rien en dessous de vous. À ce moment-là, l'humilité, la sagesse s'emparera de vous et vous serez totalement mûr pour être cueilli par la lumière. Mais ne vous débattez pas, ne faites pas travailler votre intellect, vos concepts, oubliez-vous. Profitez et abusez des différentes effusions, des différentes fusions, des différents foudroiements, des différentes eucharisties, tout le travail collectif qui est réalisé bien sûr par tous les frères et sœurs éveillés, libérés de la terre, au même moment, vous avez une puissance à nul autre pareil, que même le Christ n'a jamais eu sur cette terre, ni aucun de nous, même au sein de l'absolu, parce qu'il n'y avait pas de lien formel collectif entre l'absolu, le rien et l'instant. Ayant mis fin au temps et à l'anomalie primaire, vous n'êtes plus assujetti à quoi que ce soit.
C'est cela qu'il vous faut réaliser. Et surtout pas d'une douleur, et surtout pas de votre tête, et surtout pas de ce monde. Ne vous laissez plus abuser, ne vous laissez plus emmener vers des histoires, vers des scénarios spirituels, vers des êtres à adorer, à vénérer. Vous êtes tout cela. Acquiescez aux images, même quand je viens. Échangeons, il m'arrive d'ailleurs de parler en vous. Certains d'entre vous m'entendent clairement. Et c'est notre contact, au-delà de ce que je peux dire, rire ou sourire, qui réalise votre résurrection. Il faut un ustensile. Je suis donc votre ustensile. C'est ce qu'est le Christ, c'est ce qu'est Marie. Ils sont en vous déjà. Donc il ne sert à rien de l'idéaliser, de vénérer. Il faut l'être, spontanément, naturellement. Tant que vous êtes dans l'adoration, vous ne pouvez pas être vrai. Vous projetez. Quand vous accueillez, vous incorporez et vous devenez cela. Vous êtes des dizaines de milliers de bidis sur la terre. Bon, même si vous n'avez pas la même voix, mais ça va venir. Vous êtes tout autant de Christ, de Marie, de Michael, de Métatron, de ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est pas la forme, ou la projection, ou l'identification, bien que vous ne soyez plus en général sujet à cela, à l'identification, mais c'est cette présence qui est rayonnante et qui vous démontre à vous-même que vous êtes en résurrection. Croyez-vous qu'en 2012, ou quand j'étais incarné, mes mots ont été efficaces? Croyez-vous qu'il y a eu beaucoup d'êtres qui vivaient la libération de mon temps? Alors que dès que l'un d'entre vous rentre en contact avec mon verbe, il est réveillé. Parce que je suis beaucoup plus présent, indépendamment de l'acolyte, que le Christ, même s'il est présent totalement en vous. J'ai été le premier à fermer le livre. Et comme l'acolyte vous l'a dit, il est réellement venu le brûler. Comme vous brûlez tout ce que vous voyez quand vous êtes en conscience nue, hors de ce corps, et que vous bénissez par votre voyage en survolant quelque élément de ce monde, où se réalise alors une dissolution, certes parfois éclatante, de l'éphémère qui laisse à nu la vérité. Le processus que vous attendiez ou que vous redoutiez n'a plus aucune importance, il se produit maintenant, mais vous voyez bien que dès que vous êtes libre et sans joie, plus rien de ce monde ne peut vous emmener trop loin. Vous revenez très vite au centre, parce que la joie est telle ici que tout le reste ne vous intéresse pas. Et c'est logique. C'est totalement naturel. Encore une fois, oubliez les scrupules, oubliez les limites, oubliez que vous étiez une personne, car vous constatez que vous n'êtes rien de ce que vous avez cru à la surface de ce monde, dans cette vie ou dans toutes les vies que vous y avez passées. Pour ceux innombrables qui le vivent, vous le savez parfaitement. Vous y avez acquiescé parce que vous l'avez vu, vous le vivez. Et même celui qui n'en vit rien aujourd'hui est tout à fait susceptible dans l'instant de vivre sa liberté, cette conscience nue.
Mais il faut déjà vous tourner vers l'inconnu. Il faut déjà vous placer dans une posture d'accueil et non de projection de fantasmes, d'histoires ou d'expériences passées. Laissez vivre l'éternité dans l'instant présent. Laissez vivre la vérité qui met fin à tout mensonge en vous comme sur ce monde. C'est ainsi que naît l'amour. C'est ainsi que vous vous retrouvez en totalité, non pas à travers le cinéma des vies passées, non pas à travers le cinéma de quelque chose à améliorer ou d'une évolution quelconque, puisque ce qui se déroule en ce moment est la preuve formelle que vous passez de l'ego au tout et rien en une minute. Est-ce qu'il y a un préalable à ça? Est-ce que votre karma va vous embêter? Est-ce que votre douleur va vous empêcher de le vivre? Est-ce que les conventions sociales ou l'accord familial est plus important que la vérité? Réfléchissez! Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Vous voulez l'amour? Ou vous voulez tout le reste de ce monde? Et le reste de ce monde n'est pas beau. Alors que dans l'amour, tout est beau. Votre regard change. Il est lavé des impuretés. Vous ne voyez plus l'illusion, vous voyez la vérité, comme nous l'a dit une sœur tout à l'heure, où elle est devenue tout, tout en demeurant dans cette personne. Mais bien sûr, le conditionnement de votre propre mental, et surtout au niveau spirituel, dans vos adhésions à tout ce qui est farfelu et non vécu, est un obstacle aujourd'hui. Heureux les simples d'esprit, car ceux qui n'attendaient rien, qui ne vivaient rien, sont libérés de l'histoire, de leur personne, comme de ce monde dorénavant. Quand vous sortez en conscience nue, ou quand la conscience nue est de plus en plus présente, indépendamment de vos états intérieurs, que voulez-vous qu'il reste à faire ou à accomplir ? La lumière et la grâce s'installent toutes seules. Elle est, je vous l'ai dit, en surabondance. Qui prend la parole? C'est un témoignage en direct. Ça fait à peu près une demi-heure que j'ai le cœur qui bat très fort dans la poitrine. Comme si j'avais couru un 100 mètres. C'est pas très confortable, mais ça m'empêche pas de rester dans la joie. C'est juste un témoignage. Ce n'est pas très confortable, mais ça ne m'empêche pas de rester dans la joie. Et je voulais juste en témoigner. Ce que tu dis, je t'en remercie. Mais effectivement, quand le cœur organe ascensionne, comme c'est le cas, votre corps physique, pas encore, mais le cœur s'élève à l'intérieur de vous-même. Je parle du cœur organe, c'est-à-dire que le chakra du cœur qui est lié n'émet plus depuis le chakra du cœur, depuis le cœur du cœur, mais depuis la porte R et au milieu des deux, prenant toute la poitrine. Alors bien sûr, il y a parfois lors des injonctions, des foudroiements d'aujourd'hui, un décrochage par le rythme du cœur. Il suffit simplement de respirer
Et le battement du cœur va se synchroniser non plus sur cette tachycardie, mais sur ton inspire et expire. Et c'est fini, tu es libre. Merci. C'est les petits inconvénients au niveau de la poitrine, de ce que j'ai nommé ascension du cœur, qui est un déplacement réel et concret de l'emplacement du cœur, qui, je vous le rappelle, présente une anatomie déviée vers la gauche, qui se redresse et remonte. Donc, bien évidemment, ça tire un peu sur la matière organique, et le premier trouble à apparaître est soit une extrasystole, soit une tachycardie. Parfois aussi, hélas, des troubles tensionnels. Mais cela ne dure pas. Dès l'instant où le rythme de la respiration prend le pas sur le battement cardiaque, alors la vague apparaît, le cœur ascensionnel devient sensible, le tétractis hexaèdre entre en manifestation, et il existe au devant de votre poitrine le triangle de la nouvelle Eucharistie. Il existe en plus l'émanation dans le cadre précis constitué entre les portes attraction-vision, allée unité, une forme rectangulaire où s'expriment les pleins potentiels de votre éternité depuis le cœur. Et bien sûr, l'alchimie qui est en cours ne concerne pas uniquement la lumière, mais touche en priorité, en même temps, le fonctionnement physiologique de la région. C'est la même chose lors des mécanismes de syntonie planétaire ou individuelle, où l'ultime structure vibrale inscrite dans le petit bassin entre le sacrum et le pubis devant s'ajuste et peuvent effectivement, vous le savez pour certains pour l'avoir vécu, des formes de douleur sur porte locale. Mais le cœur, la qualité et la quantité de l'amour vrai en vous, autour de vous et de partout ne permet plus de laisser cohabiter la joie de la liberté et la douleur. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'à très brève échéance, voire instantanément, le processus du soin planétaire qui va se reproduire dorénavant de plus en plus fréquemment, qui vous sera annoncé ou pas, va œuvrer. Attendez votre moment. Pour l'instant, vous ne savez pas pourquoi, même si les raisons en ont été données de manière fort juste par mon acolyte, mais il vous a peut-être dit que je l'engueule souvent, parce qu'il ne sert à rien d'aller décoder des âmes qui sont en train de disparaître, ni d'apporter du baume à la personne. Alors maintenant que la vérification est faite, que l'action est immédiate, il n'y a pas besoin de décrire quoi que ce soit et de raconter des histoires vraies qui de toute façon vont s'effacer. Restez au cœur du cœur, permutez de conscience et l'amour sera là. Ne vous encombrez plus de quoi que ce soit d'autre, car là vous rentrerez dans l'instantanéité du miracle. Mais ça ne sera pas un miracle, parce que ça sera une action répandue et commune. Et vous pouvez le faire chacun de vous, et je le fais aussi chez certains de vous quand je viens. Par exemple, pour la sœur qui nous a donné son premier témoignage en deux parties, bien sûr que je suis venu. Et à chaque fois, au-delà de ma présence, s'il y a possibilité de réparation, elle se fait intégralement, instantanément, ou en l'espace de quelques jours. Et ça, vous pouvez le vérifier. C'est réel. Au sein de cet irréel, c'est concret.
Tu peux me dire dans combien de temps est le foudroiement? Il est passé. Non. Très bien. Alors nous poursuivons tranquillement. Notre sœur souhaitait vous remercier, celle qui a témoigné. Mais je te remercie aussi. Et comme on est l'un l'autre identique, on s'auto-félicite. Mais dans l'amour, c'est très bien. C'est une preuve d'amour de soi-même, de la vérité et de la lumière. Au-delà du choix, quand je dis soi-même, n'allez pas imaginer que c'est le miroitement de l'orgueil du choix. Vous n'êtes plus dans ces jeux puérils, même si certains d'entre vous veulent continuer à y jouer. Cela, le commandeur, vous l'avez dit, ils ont des emplois tout trouvés. En écoutant le témoignage précédent de notre frère, mon cœur s'est mis à s'emballer. L'emballement continue depuis tout ce temps. Et j'ai la sensation d'aller à un rendez-vous amoureux. On va vous laisser entre nous, hein. Et j'ai un grand sourire intérieur avec une grande jubilation. Tu as la démonstration parfaite que lui et toi, c'est le même. Tu t'es connecté à lui spontanément sans le chercher et tu vis la même chose. C'est pas une raison pour en faire un couple, hein. Ça se passe dans le cœur. Mais c'est la réalité. Et c'est vécu. Et si l'un respire, l'autre respirera. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, hein, parce que le verbe que j'aimais prend chaque jour plus d'intensité. Pas parce que je parle plus fort, mais parce que ça vous pénètre instantanément. Vous n'avez plus de barrière. Alors, on fait silence 2 minutes. Car ça sert à rien de palpiter maintenant. Ça palpite toujours ? Ça s'est arrêté. Comment ? Notre frère, pour lui, ça s'est arrêté. Pour les autres.
Moi aussi. Enfin, c'est calme. C'est calme. Pour notre soeur, ça s'est calmé aussi. Merci, on peut continuer. C'est pas la peine d'appeler les urgences. Oui. Il y a quelques minutes, un de nos frères ici présent s'est présenté sur ma gauche. Il y a quelques minutes, un de nos frères ici présent s'est présenté sur ma gauche. Avec sa voix claire et forte, m'a appelé par mon prénom. Avec sa voix claire et forte, m'a appelé par mon prénom. Ça m'a fait sursauter. Ça m'a fait sursauter. Voilà, ça me fait penser à l'appel de Marie. Et voilà, ça me fait penser à l'appel de Marie. En tout cas, même s'il y a une analogie, parce que vous vous appelez les uns les autres, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ce que tu vis est similaire. Ça illustre parfaitement, pour les consciences aujourd'hui, la possibilité de venir, tout en ayant un corps, tel un être de lumière, te parler dans ton canal marial. Mais c'est un être de lumière. Simplement, il a encore un sac de viande quelque part dans cette pièce. Mais l'effet est le même. Et dans les échanges, quand vous accueillez la conscience de l'autre en totalité dans ce sac de viande, vous le guérissez et vous vous guérissez. Alors n'hésitez pas, communiez entre vous, mais pas seulement. Accueillez-vous les uns les autres. Parce que c'est dans cet accueil tel que tu le vis là que la vérité se fait jour, totalement en toi, comme pour celui qui a laissé son corps de lumière ou d'éternité arriver jusqu'à toi. Bon d'accord, il n'a pas eu une grande distance à faire dans cette pièce, mais c'est pas une question de distance, c'est uniquement une question de temps. Plus vous vous rapprochez de l'instant présent, ici et maintenant, c'est-à-dire du temps zéro, plus vous êtes, non pas aligné, mais plus vous êtes vrai, et plus vous êtes libre, et plus vous avez la possibilité de vivre ce genre de choses, et même de prendre en vous toutes les consciences de la planète. Puisque vous êtes dans la matrice christique, puisque l'anomalie primaire a été ôtée, dissoute, il n'y a pas d'autre obstacle que les a priori, parce que ça n'a jamais existé, excepté pour certains très grands mystiques. Et encore, quand je les rencontrais, je disais, laissez passer ça, allez derrière ça, il y a plus. Il y a la vérité, et elle est nue. Elle n'a pas besoin de conscience. Mais là, c'est déjà une étape majeure qui vient vous conforter dans l'évidence et qui vient la renforcer, la stabiliser, l'amplifier et la rendre permanente. Qui veut s'exprimer? Oui, je voulais, si vous pouvez m'aider, dans...
j'ai senti tout ce que j'ai vécu, disons, tous les symptômes du cœur dont il a parlé avant, avec les palpitations, la respiration. Notre sœur vous demande son aide. Elle a ressenti tout ce que vous avez décrit tout à l'heure concernant les palpitations, etc. Tous ces passages par les vagues et qui me prenaient pratiquement toutes les nuits et je passais des heures avec cette respiration. Tous ces passages qui passaient par les vagues toutes les nuits et avec cette respiration, mais qui l'inquiétaient. Et la tension également, j'ai dû reprendre des cachets pour la tension. Et j'ai une paix maintenant, effectivement, je me sens en paix, différente. Mais pourtant, il y a quelque chose en moi, vis-à-vis de mes frères et sœurs, quand ils sont encore, ils m'exaspèrent d'une certaine façon quand ils sont encore là à me demander toujours sur la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas la lumière, ils ne voient pas qu'ils sont tout ça, et je ne sais pas comment m'exprimer et ça me met de mauvaise humeur et je leur réponds d'une mauvaise façon. Alors je ne me vois pas dans l'amour, en fait. Mais il suffit simplement de les accueillir dans ton cœur, en silence, et ils seront libérés. Il faut oser le faire. Il faut oser l'être. L'autre est toi. Cela veut dire, comme disait le commandeur, c'est celui qui dit qui est. Ça veut dire que l'autre en face de toi n'a pas été accueilli en totalité, pas par le mental ou la relation sociale ou professionnelle, mais au-delà de tout ça, s'il t'énerve, tue-le, fais-le rentrer en toi. Pourquoi as-tu peur? Tout est déjà en toi. Si tu l'accueilles en toi, il est libéré. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est la stricte vérité. Et ça va devenir de plus en plus comme ça. Regarde le témoignage du frère juste avant, qui se balade. Nous avons un autre frère qui rentre dans son canal marial en m'écoutant. Je ne vais pas dire que vous êtes dissipés, mais je dirais même que vous devriez être tous lucides de ce qu'il produit, même ici. Entre vous. Donc c'est une posture qui est vue. Il te reste juste à penser à simplement l'accueillir. Pas dans ce qu'il dit, ça t'énerve. Alors dis-lui de se taire si tu veux, ou laisse-le parler dans le vide et mets-le en toi. Quand je dis « mets-le en toi », je parle pas de couple, hein, je parle du cœur. Je vais essayer. Mais c'est pas essayer, ça peut être fait tout de suite. Sans délai. Commence par un frère, par un arbre, par un poisson rouge si t'as peur. Et puis après tu verras que tu peux en prendre 2, 5, 10, 50, 1000 en même temps. Mettez-vous au travail, vous êtes des milliards. Vous savez, l'événement ne va pas attendre au-delà d'un certain seuil. Puisque plus vous êtes libérés, plus vous êtes en conscience nue, à travers ce corps ou ailleurs, plus vous agissez par votre présence, même sans rien vouloir. Donc dépêche-toi d'en prendre le maximum dans ton cœur. Et ne pose plus de questions. Que veux-tu qu'il t'arrive? De te sentir possédé? Oui, possédé par la vie, par la vérité. L'autre n'est rien d'autre que toi. Et il est temps de vous le démontrer à vous-même.
Il suffit d'une fois. Je ne parle pas de projection ici ou de syntonie. Je parle uniquement d'échange de cœur, d'échange de conscience, afin de réaliser que dans un sac, il y a toutes les consciences, réellement et concrètement. Simplement, maintenant, ce n'est ni un concept, ni une croyance, ni un vécu exceptionnel. C'est un vécu quotidien. Dès que vous l'avez vécu, vous n'arrêterez plus. Vous n'arrêterez plus d'accueillir, sans même connaître tout ce qui se présente. Ne mettez pas de barrière et ne me dites pas « je vais essayer ». Il n'y a rien à essayer, c'est sûr. Je vais le faire. Fais-le tout de suite, on n'en parle plus. Celui qui se promène, là, il ne veut pas aller voir le canal Marial là-bas. Il y a une fusion d'amour qui attend. Soyez léger, voyagez léger, et tout sera parfait. Vous pouvez le faire en quelques heures. Je ne plaisante pas. Établir la totalité de la vérité. Pourquoi est-ce que ça dépendrait seulement des guignols qui suivent des calendriers? Vous êtes hors du temps. Vous n'avez rien à attendre pour le faire. Nous vous encourageons chaque jour. Chaque jour, il vous est démontré par les différentes fusions, par les différentes effusions, que c'est la vérité. Ne gardez pas la lumière cachée. C'est la vraie lumière maintenant. Et si la personne t'énerve avec ses questions, dis-lui quand même que tu vas l'accueillir dans ton cœur et raccroche. Au moins il est informé. Même s'il ne donne pas son accord, vous n'avez plus besoin d'avoir d'un accord quel qu'il soit, puisque vous êtes hors du temps. Vous ne demandez rien, vous réalisez l'amour. Il n'y a pas de meilleure façon de réaliser l'amour que d'être tout et rien. Et pour être rien, il suffit d'accueillir une autre conscience. Puisque tu lui laisses la place, donc tu te démontres bien par là même que t'es rien. Tu ne risques rien. Vous n'êtes plus dans des histoires de diable, de possession et d'entité. Ça, c'est être malade de la tête aujourd'hui que de penser ça. Dans le cœur, il n'y a pas de place pour ce genre de choses. Arrêtez vos sornettes. Arrêtez de vous faire peur tout seul. Et c'est exactement cela qui se passe. Quand vous dites que vous avez une entité à côté de vous, mais elle est à vous. Il n'y a pas une cause extérieure. Ça ne sert à rien de chercher la cause. Mettez-vous dans le cœur, il n'y a plus de place pour autre chose que l'amour. Et même cette entité, vous pouvez la réabsorber. Vous êtes amour, vous ne risquez strictement rien, à part les petites palpitations qui sont liées à l'ascension et au déplacement du cœur physique. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive quand vous êtes vrai, quand vous êtes dans cet amour? Qu'est-ce qui est plus important que ça? Rien. Il n'y a rien qui tienne devant l'amour concernant ce monde, votre vie, votre maison, votre argent, votre mari, vos acquis, vos connaissances, vos expériences, tout ça c'est un fatras maintenant que vous avez construit. Il est temps de jeter tout ça.
L'amour ne s'encombre pas d'autre chose. La magie de l'amour est simple. Elle n'est pas un rituel, elle n'est pas une connaissance, elle n'est même pas une énergie et une vibration. L'amour nu vient de la inconscience, antérieurement à la lumière. En allant plus loin, en vivant le cœur, vous allez conscientiser que vous êtes bien sûr ni cette personne, ni cette histoire, ni ce monde, ni même vos lignées stellaires, ni même votre origine stellaire. C'est fini tout ça. Oubliez-les. Faites le deuil de tout ça. Soyez pur et nu. Et votre mémoire éternelle revient. Elle viendra après le sacrifice, pas avant. Le commandeur disait qu'il fallait lâcher les cacahuètes. Moi, je vous dis qu'il faut ouvrir les bras pour être crucifié. Pour accueillir l'autre. Pour accueillir tous les autres. Rien de la personne, rien de l'histoire ne vous est utile. C'est même des poids. Et le jour où ça arrivera, si ce n'est pas arrivé, vous ne pourrez que rire. Toutes les larmes que vous avez encore en vous seront transmutées par le rire. Sans objet lui aussi, sans raison. C'est le rire de la vie. Celui de l'amour retrouvé, qui croyait avoir été perdu. En l'amour, vous ne perdez rien. C'est les concepts que vous perdez. Les idées. L'idée d'être une personne, d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Vous n'avez à quitter personne. Sauf votre personne. Et vous la quittez pas en la fuyant. Dorénavant, vous la quittez en la transmutant à l'intérieur de vous. Donc, osez accueillir tout ce qui se présente afin de démontrer pour vous-même, pour chacun de vous, la réalité de l'amour, la réalité de la lumière, son pouvoir, sa magnificence et son évidence. Vous ne pouvez pas la garder pour vous. Il y en a encore qui palpitent. Oui, et qui chauffent. Combien? Une qui palpite en tout cas et qui chauffe. Tant que ça sent pas le brûler. Mais a priori, ça devrait plutôt sentir la rose, mystique. Bien sûr. Qui veut parler? Oui. Cet après-midi, pendant une effusion. Cet après-midi, pendant une effusion. J'ai eu une vision. J'ai eu une vision. J'ai vu un fauteuil marron, massif, qui se trouve réellement dans ce lieu, mais pas dans cette pièce. J'ai vu un fauteuil massif, marron, qui se trouve réellement dans ce lieu, mais pas dans cette pièce. Et dans l'angle droit de ce fauteuil était blottie une de nos sœurs, mais elle était toute petite. Et dans l'angle droit de ce fauteuil était blottie une de nos sœurs, mais elle était toute petite.
Est-ce que ça a une signification? Est-ce que ça a une signification particulière? Ça a une signification pour toi. Mais à partir du moment où tu vois des objets physiques, tu es peut-être en conscience d'éternité ou conscience nue, mais tu peux-tu me dire ce que t'a apporté cette vision? Rien. Non. Voilà. Tu as ta réponse. Je vous ai dit, traversez les visions, mais ne vous y arrêtez pas. Si vous vous y arrêtez avec ce genre de questions, ça veut dire que vous ne l'avez pas traversé parce que vous êtes en train de demander ce que c'est. C'est rien. Et d'ailleurs, tu le confirmes, tu n'as rien vécu. À cette occasion, j'ai pas dit que tu n'as rien vécu, à d'autres moments. Quand vous traversez, que ce soit physique, que ce soit une conscience, que ce soit le monde. L'éclairage vient de votre présence, et si l'éclairage se fait, il ne peut subsister au retour aucun besoin de sens ou d'explication. Sinon, cette vision, elle sert à rien. Les visions dont je vous parle quand j'arrive, c'est pas une vision, c'est la vérité de ce qui se produit. Est-ce que ce fauteuil ou cette sœur a bourri a changé quelque chose à ton cœur? La réponse, elle est là. J'étais surprise. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne parle pas de surprise, je parle de l'effet sur le cœur. Toute expérience et toute vision qui ne se traduit pas par une augmentation de la paix, de la joie et du vécu est stérile. Elle ne fait que vous encombrer. Ceux qui se promènent en conscience nue et qui éclairent d'autres âmes, d'autres lieux, ne se posent pas de questions. Ils se demandent parfois ce qu'ils ont été faire là-bas, mais le résultat, ils le vivent à l'intérieur. Il y a eu un éclairage. Et cet éclairage, vous le savez, va consumer l'illusion. Ne cherchez pas avec votre tête à essayer de comprendre pourquoi vous avez vu le Christ, pourquoi je suis en vous. Je l'ai expliqué. Sans ça, tu te montres à toi-même que tu es encore attaché viscéralement à l'image. Or, l'image est toujours fausse. Il vaut mieux être sans vision, sans rien vivre et vivre la vérité. C'est beaucoup plus efficace et direct que la compréhension d'un fauteuil ou du Christ. Là, il y a un problème de positionnement. Ne plus nourrir les histoires. Arrêtez de vous raconter des images. Si l'image est là, c'est la réalité qui est en vous. L'effet sur le cœur est immédiat. Mais si c'est des images qui viennent des mondes intermédiaires ou du monde physique, si tu voyages et que tu as la conscience d'être en conscience nue et de voir ce que tu as vu et il se passe rien, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Parce que tout ce qui est vu en conscience nue ou en conscience d'éternité dans le véhicule d'éternité est immédiat comme action. Quand il y a un soin que vous réalisez entre vous, par exemple, ça sert à rien. Je l'ai déjà dit à l'acolyte, ça sert à rien de dire ce qui était lié à la personne. Aujourd'hui, il y a juste à pénétrer au cœur du cœur, d'échanger les consciences et âmes s'il y a, et de le vivre. Tout se résout comme ça. Absolument tout. L'efficacité est immédiate. Le vécu du cœur est immédiat. Si vous avez quelques visions matérielles, même réelles, de n'importe quoi ou n'importe qui, et qu'il n'y a pas d'action de résonance, c'est que ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas grave. Mais ce que j'attire là-dessus et ton attention est pour d'autres frères et sœurs qui sont fort nombreux. C'est de se laisser embarquer par les archétypes, parce que vous les cherchez depuis tellement longtemps, vous les idéalisez depuis tellement de temps. Même Marie, elle est humaine comme vous et comme moi. C'est aussi un sac de viande, non? Quelle qu'ait été sa fonction de mère de l'ensemble de l'humanité. Il est autre chose que d'avoir la vision de Marie, que de vivre Marie en soi. Ou alors la vision doit être couplée au vécu intérieur. Sinon, ça ne sert à rien, même si c'est vrai. C'est pas une question de vrai ou de pas vrai, en définitive. Est-ce que ça agit ou pas? Et ça, ça se passe dans l'instant. Vous savez très bien que quand vous me voyez en vous, quand je vous souris, quand j'approche de vous, vous sentez une transformation immédiate. Il ne peut pas en être autrement. Et de la même façon, quand vous voyagez en conscience nue, si vous voyez, sans le décider, un territoire, un bâtiment donné, il n'existe plus. Réellement et concrètement. Et là, vous sentez le retour, si je peux dire. Votre cœur s'ouvre, la vibration augmente si vous êtes insensitif. Mais la lucidité est toujours présente. L'image aujourd'hui est un obstacle. Cela a été expliqué à de nombreuses reprises. Voilà déjà de nombreuses années. Je ne vais pas vous replonger dans la notion d'image. L'image, elle s'imprime où? Dans les yeux, vous allez me répondre. Mais à travers les formes, dans le foie. Plus vous êtes nu, moins il y a d'image. Plus vous êtes vrai, plus à la limite vous restez en conscience nue, dans l'évidence de la joie. Il n'y a besoin d'aucun décor et d'aucune entité. La vision, si elle est consécutive à un échange de conscience ou à une respiration du cœur ou alors à l'Eucharistie, là elle est agissante en vous directement. C'est pas une vision comme ça, c'est une vision active parce qu'elle est en vous. C'est toute la différence avec les images qui ne tiennent pas debout. Où vous recherchez un sens symbolique, une explication, plutôt que de le vivre. Et s'il ne s'est rien vécu, c'est même pas la peine de chercher une explication, il n'y en a pas. Croyez-vous que les sœurs et les frères qui ne sont pas sensitifs et qui vivent aujourd'hui le basculement irrémédiable de l'ego à l'absolu s'encombrent d'images de quelque nature que ce soit ou de quelque histoire que ce soit? Non, ils sont immergés dans l'amour. Il n'y a pas de place pour des images dans l'amour, ni pour les concepts, ni pour les bagages, ni pour les peurs. Ça a été dit pendant des années, l'amour ou la peur. On vous a donné, l'acolyte et moi, toutes les explications concernant l'enfermement de l'âme, la puissance résolutoire de l'amour nu qui est là. Et vous êtes encore en train d'essayer de nourrir des histoires. Vous n'en avez pas besoin. Vous rendez-vous compte du conditionnement, même le cœur ouvert, que vous n'arrivez pas à dépasser, à traverser, vous arrêter, vous-même. L'amour nu, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de scénario, il n'y a personne. Même si le Christ est là. Si le Christ est là, vous vivez l'amour nu. S'il n'y a pas d'amour nu, s'il n'y a pas cette évidence, votre Christ, c'est un Christ de pacotille. Il n'existe que dans vos fantasmes. Il ne peut pas y avoir d'image de quelque nature que ce soit
si elle est vraie, c'est-à-dire concernant ce monde, ou n'importe quelle entité, en conscience nue ou encore d'éternité, que vous allez voir, c'est qu'elle est en vous. Elle est donc active en vous. Alors qu'une image comme ça n'entraîne rien du tout. Ni le tout, ni le rien, mais alors vraiment là, rien du tout. C'est une perte de temps. C'est gâcher l'amour. Acceptez cela. Je vous secoue pour que vous dépassiez ces images, ces histoires qui vous encombrent encore alors qu'il n'y a plus d'histoire. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous vivez la preuve de votre résurrection. Vous vivez la preuve de la liberté au travers de ce sac. L'évidence de l'amour ne vous suffit pas. Il faut mettre des décors, des ornements. Rendez-vous compte du conditionnement même libre que vous avez. Cessez de jouer avec ça. Vous n'avez besoin de rien. L'opportunité exceptionnelle, c'est que tous les frères et les sœurs incarnés peuvent vous le faire vivre en venant en vous ou en vous accueillant en eux. Il n'y a besoin de rien d'autre, ni de diagnostic comme faisait l'acolyte, même si ça, quelque part, ça... Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, heureusement, tous vous comprenez très vite. Allez droit au but. Ne vous emmerdez pas avec des visions. Ne vous emmerdez pas avec des scénarios. Vous êtes tous les scénarios. Je peux pas vous dire mieux. Ne gâchez pas cette vie, cet amour, cette grâce. Ne la laissez pas passer avec vos revendications d'explications. Et tant que vous vous posez la question de ce que veut dire ce que vous avez vu ou perçu, vous ne le vivez pas. Il y a une différence profonde entre ce que nous a décrit notre sœur qui est cassée je ne sais pas où là, et cette interrogation. Vous voyez bien la différence quand même, non? Oui. Elle est claire. Il n'est pas question de juger qui que ce soit. Là, je parle de ces foutues images, de ces foutues représentations. Est-ce que vous percevez par le verbe ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. Alors, ne m'énervez pas. C'est vrai que parfois je peux être scandalisé, littéralement, de voir des frères et des sœurs qui m'accueillent sans même savoir qui je suis ni m'avoir vu parce que je suis là et ils vivent l'amour, et ceux qui me connaissent, qui m'ont entendu depuis des années et qui sont encore en train de gamberger. Vous ne pouvez pas mettre au devant de vous l'explication d'images et même des perceptions. Vivez-les, vous verrez après. Mais si vous les vivez, il ne peut subsister aucune interrogation. Aucune. Alors bien sûr, au début, si c'est par exemple en conscience nue que vous survolez des choses et que vous voyez que ces choses après ont un peu disparu, c'est normal. Là aussi, c'est actif votre lumière. Mais la lumière ici, elle sert bien sûr à éclairer, mais pas à éclairer un écran de cinéma, à éclairer la vérité. Pourquoi vous tenez comme ça, tant que ça, surtout parmi les spiritualeux, à toutes ces histoires? Comment voulez-vous être libre?
Je vous rappelle que même avec cette même avant cette époque particulière de résurrection, depuis plusieurs mois maintenant, vous avez eu dans toute l'histoire de l'humanité, je ne parle pas des saints ou des mystiques qui appartenaient à des ordres, vous avez toujours eu des frères et des sœurs, certes en nombre réduit, qui l'instant d'avant était dans l'ego et l'instant d'après était dans la vérité, sans rien avoir demandé à personne. C'est ce processus-là qui se produit au niveau collectif. Ne ratez pas le train. D'ailleurs, il n'y a pas de train. Je résumerai ça en disant, tant qu'il y a autre chose en plus de l'amour, ce n'est pas l'amour libre, ce n'est pas l'amour nu. L'amour nu, il n'y a personne. L'amour nu, il n'y a aucune histoire. L'amour nu, il n'y a pas d'image. L'amour nu, il n'y a rien d'autre que la jouissance perpétuelle de ce qui s'est reconnu. Il n'y a pas de place là-dedans pour des histoires, des scénarios qui se passent dans le temps ou dans l'espace. L'avantage que vous avez, par rapport à mon époque, c'est que vous pouvez explorer toutes les gammes. Mais ne confondez pas toutes les gammes dimensionnelles avec des images qui n'ont aucune efficience. Si image il y a, elle agit instantanément sur la conscience. Instantanément. Si c'est pas le cas, c'est une image morte. C'est simple à sentir, à vivre. Qui veut parler ? Oui. Vous parlez parfois, enfin pas parfois, tout le temps, d'accueillir l'autre. Vous parlez toujours d'accueillir l'autre. Et d'autres fois, vous parlez de devenir l'autre. Et par moments, d'autres fois, vous demandez de devenir l'autre. C'est très simple. Pour devenir l'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en lui. Accueillir l'autre, c'est l'autre qui vient en toi. Pour réaliser enfin que c'est le même mouvement, qu'il n'y a pas d'autre. Mais il y a quand même une dynamique de départ. Tant que l'amour n'est pas installé. Dans un cas, tu accueilles les bras ouverts. Dans l'autre cas, c'est toi qui y vas. Et croyez-vous que j'ai besoin d'une quelconque autorisation, de quelque autorité que ce soit, pour pénétrer dans n'importe qui maintenant, puisque j'y suis. Je suis déjà chez moi. Il n'y a aucune violation de domicile. Donc, accueillir et devenir, c'est la même chose. Il y a juste l'impulsion initiale qui peut sembler différente, mais il n'y a aucune différence. Les soins de l'amour se font comme ça. Et je vous l'ai dit, ce type de soin par la conscience dans une autre forme est instantané, c'est du pur amour. Vous ne risquez strictement rien puisque l'autre est vous et vous le démontrez de cette façon. Vous ne pourrez plus jamais juger
condamner ou porter un regard critique sur quiconque dès l'instant où vous avez vécu ça. Parce que vous savez que tout autre est vous, même dans son agression envers vous. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de séparation. Nous vous l'avons dit, l'anoprénie primaire est dissoute sur ce plan. Donc toutes les interférences que vous nommiez entités, ombres, noires et autres, n'existent plus, à part dans votre tête. Et vous vous guérissez de ça en devenant l'autre ou en l'accueillant, c'est la même chose. Il suffit d'une fois. Foncez! Ce que fait l'acolyte, ce que je fais, ce que font d'autres frères et sœurs incarnés d'ores et déjà, est exactement la même chose. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne vous l'êtes pas prouvé à vous-même. Et ce que je dis par rapport à accueillir ou devenir l'autre, est une constante dorénavant dans tous les rendez-vous que vous vous donnez entre vous ou planétaire, vous allez le vivre avec évidence, avec légèreté. Tandis que si vous mettez des a priori, des peurs, des conditionnements de la dualité ou l'avidité inconsciente d'images pour vous raccrocher, vous ne le vivrez pas. Mais il faut le vivre entre vous, pas seulement avec moi, pas seulement avec l'acolyte ou le Christ ou Métatron ou je ne sais qui. Avec tout autre présent dans une forme sur ce monde. De la même façon qu'une sœur nous a dit qu'elle était passée, elle n'était plus elle, mais elle était l'environnement. C'est la même chose ici. Ne restez plus axé sur votre individualité, votre petite personne, votre petit confort, votre petite spiritualité. Comment voulez-vous être libre dans ce qui est sclérosé, qui n'a plus lieu d'être, qui n'a aucun intérêt, si ce n'est vous encombrer? Comment vous faites? Soyez libre et montrez-le ce qu'est la liberté à vous-même et à l'autre. Pas par des discours, par le vécu dont je viens de parler. Vous avez exactement les mêmes attributs, les mêmes capacités à tous les niveaux que moi ou que n'importe qui. Il n'y a que juste votre appréhension de l'habitude de la forme . C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste est dans votre tête. Il n'y a pas de ce genre de choses dans le cœur. Et d'ailleurs, le cœur se sent maintenant. Donc vous êtes tout à fait capable de sentir chacun de vous quand vous êtes dans le cœur, quand vous êtes dans la tête christique ou quand vous êtes dans votre pauvre petit mental qui essaye de survivre au sein de la personne. Et comme il n'y a plus fondamentalement de possibilité de sécréter de la peur, que voulez-vous risquer? Ou alors vous vous prouvez à vous-même que vous êtes encore enfermé par l'habitude, par les enfermements vécus. Mais si vous n'ouvrez pas la cage, comment voulez-vous sortir? Ouvrez la cage et que celui qui vienne, vienne. Ne posez aucune limite.
aucune barrière, je vous l'ai dit, vous êtes invulnérable. Au contraire, vous allez gagner l'un et l'autre. À chaque fois que vous vous accueillez, vous allez grandir en amour, grandir en lucidité. Ce n'est pas en gardant l'amour que vous vivez dans votre petit chakra que les choses vont changer. Que les choses vont disparaître. Vous êtes créateur au sein du Verbe, au sein de l'androgyne primordial, au sein du rayonnement de qui vous êtes. Tout le reste appartient à la personne. Vous n'êtes rien d'autre que l'amour, antérieur à toute forme. Vivez-le. Ne traînez pas. Bientôt, vous n'aurez plus aucun alibi, même à travers des éléments qui ont été nommés, je crois, les bleus de l'âme, ou les circuits dérivés par l'enfermement. Bientôt, ces alibis-là ne tiendront plus du tout, pour deux raisons. L'anomalie primaire a été dissoute. Le liseré ascensionnel du cœur qui bordait le cœur a disparu au niveau collectif. Il n'y a réellement et concrètement plus aucun obstacle, sauf ceux que vous créez vous-même par la répétition des fonctionnements archaïques, ceux de la dualité, du bien et du mal, des images, des symboles qu'il faut interpréter. Mais ça, c'est mental, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour n'a pas besoin d'interpréter des images. L'amour est. Tout le reste vous éloigne, vous densifie, vous cristallise, et après ne venez pas vous étonner d'avoir des problèmes au niveau physique, qui ne sont plus liés à des karmas, qui ne sont plus liés à des peurs, mais simplement ce que vous créez là à l'instant. Vous créez l'amour que vous êtes, ou vous créez des images, même si elles arrivent toutes seules. Vous voyez bien que quand vous vivez cet amour indicible, il n'y a rien, même si ça a été déclenché par moi ou par une vision, il n'y a plus rien quand vous le vivez. Il faut le vivre, ça. Il est nécessaire que le deuil des anciens, de la dualité, de ce monde, de l'histoire, de la personne, disparaisse en totalité par l'amour. Alors bien sûr, il y a parfois des éclairages qui se font. Mais comme je l'ai dit et je le répète de manière ferme, quand il y a éclairage, par exemple une scène de vie passée qui apparaît et disparaît, la pathologie psychologique organique doit disparaître instantanément, quelle que soit la pathologie. Sinon, ce n'est pas l'amour. Et ça va devenir de plus en plus évident pour chacun d'entre vous. Tout ce que vous essayez de maintenir en rapport avec l'ancien mode de fonctionnement de votre spiritualité est aujourd'hui un obstacle total et un écran à l'amour. Comprenez cela. Et saisissez bien la différence entre une présence et une image. La présence du Christ, vous pouvez l'avoir en vous comme là-haut. C'est pas du tout une image, parce que ça vous transporte d'amour. Vous pleurez, vous avez des larmes, vous exultez de joie. Chose que ne pourra jamais faire une image qui est morte.
Autrement dit, s'il y a vision, elle est vivante. Elle est vivante et active. Sur le positionnement même de votre conscience. Il n'y a pas d'autre élément. Il y a action ou il n'y a pas action. Quel que soit l'objet, le sujet, l'image, la vision, ou l'élément qui vous semble être rencontré par vous, c'est toujours la même chose. Je le répète, dans l'amour véritable, il n'y a ni image, ni scénario, ni histoire, ni personne, ni monde. La conscience nue et l'amour à travers le corps n'a pas besoin de tout ça. Bien sûr, c'est profondément différent quand vous voyagez en conscience nue. Et d'ailleurs, ceux d'entre vous qui voyagent déjà en conscience nue savent pertinemment que chaque voyage est de plus en plus lucide et clair. Qui me parlait ? Oui. En début de rencontre, vous avez dit de prendre les autres dans notre cœur. Alors, comme j'ai une grande famille, j'ai essayé avec plein de personnes de la famille. Quelques personnes de la famille. Qu'est-ce que tu apprends ? Qu'est-ce que tu entends par prendre quelqu'un dans le cœur ? C'est une pensée ? Ou c'est un vécu réel de la conscience de l'autre. Ne confonds pas les deux, hein. Il ne suffit pas de dire « je prends dans mon cœur » pour que ça se réalise. Non, c'était... Alors, je vais continuer quand... d'abord. Et là, j'ai recommencé à le faire. Alors, je remarque deux choses. Alors, notre sœur continue son explication. Donc là, elle vient de le faire et elle constate deux choses. C'est pas les mêmes personnes avec qui je suis en résonance. Alors, je vais expliquer ce que je vis pour savoir si c'est juste ce que je vis. C'est comme si mon cœur palpitait, je rencontrais le cœur de l'autre et qu'il y avait des résonances et qu'on palpitait ensemble. C'est comme si je palpitais, que je rencontrais le cœur de l'autre et qu'on palpitait ensemble et qu'il y avait des résonances. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a avec qui j'y arrive pas. Enfin, est-ce que c'est parce que j'ai pas le cœur assez rempli ou est-ce que c'est parce que l'autre ne veut pas? Je voulais simplement dire qu'il y en a avec qui je n'y arrive pas. Alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que j'ai le cœur pas assez grand? Oui. C'est pas une question de grandeur. Tu peux accueillir l'univers entier dans ton petit cœur. En totalité. Il y est d'ailleurs. C'est pas une question comme ça. C'est une question qui correspond simplement à une espèce de résonance commune qui ne dépend ni de toi ni de l'autre. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Mais quand je dis accueillir l'autre dans son cœur, c'est pas un concept, c'est la réalité du vécu de l'autre dans son corps en totalité. Vous devenez lui, corps, âme, esprit. Vous vivez son corps, vous vivez la totalité de sa vie instantanément. Donc ne pas confondre prendre dans son cœur et accueillir en concept et en vérité. Parce que si vous accueillez en vérité et que ça se produit comme le dit notre sœur, elle comme l'autre sont guéries de tout ce qui pouvait exister. Ou en tout cas, il y aura un équilibre nouveau. Beaucoup de choses disparaîtront. Vous n'êtes plus dans les concepts. Quand je dis accueillir l'autre, il est évident que ce n'est pas une idée, un concept, c'est vivre l'autre en totalité en soi. Corps, âme, esprit, avec toute sa mémoire, toute sa vie.
C'est pas une idée comme ça de sentir juste le cœur. C'est un vécu réel à l'intérieur de soi comme à l'intérieur de l'autre. Même s'il résiste, même si on a l'impression qu'il résiste. Même si on a l'impression qu'il résiste. Mais il ne peut pas résister. Il peut s'y opposer. Mais ça, c'est sa liberté. Mais dès l'instant où il y a cette vague du cœur, l'autre rentre en vous par le cœur, en conscience nue. Il s'installe en vous, il devient à 200% vous. C'est vécu, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pour ça que quand j'entends tout à l'heure accueillir ma famille qui est grande, est-ce que tu as vécu chacun de tes membres de ta famille dans toi? Ben, j'ai essayé. Comment? Notre sœur a essayé. Et j'ai réussi avec certains. Elle a réussi avec certains. Oui. Mais faites-le de plus en plus extensivement. Et plus ça sera facile. Mais il y a des fois où vous ne pourrez pas. Parce que l'intelligence de la lumière le décide, ça dépend ni de ton cœur ni du cœur de l'autre. Parce que le temps de l'un et le temps de l'autre ne sont pas dans le même espace. C'est ni une supériorité, ni néfaste. C'est simplement un concours de circonstances. Et si vous prenez l'autre en vous, vous le connaissez vraiment. Vous êtes capable de vivre où il a mal, où il souffre, dans son âme, dans son corps. Vous pouvez lire toute sa vie, même si ça n'a aucun intérêt, comme je l'ai dit à l'acolyte. Mais vous le vivez réellement et concrètement en vous. Totalement. Donc oubliez les notions d'accueillir, de projeter. Le processus dont je parle depuis tout à l'heure et depuis plusieurs jours n'a rien à voir. Quand je dis que vous devenez l'autre, c'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité vécue par votre conscience dans ce sac qui accueille l'autre sac en totalité. C'est ce que je fais quand je viens vous voir. C'est ce que fait l'acolyte quand il vous accueille ou il se déplace. Et c'est aussi ce que vous faites et que vous ferez. Ça ne peut laisser aucun doute. De la même façon que l'image des mondes supramentaux et des images de votre mental. L'efficacité est immédiate et le vécu est immédiat. Quand je dis que vous devenez l'autre, vous le devenez réellement et concrètement, à tout point de vue. Rappelez-vous, non seulement vous êtes relié à la matrice christique par le cœur et par la tête, pas pour avoir des informations de l'autre ou vouloir le soigner, mais pour réellement et concrètement devenir l'autre qui est vous. Il n'y a pas de meilleure preuve que cette joie et que cette possibilité que confère la joie de l'amour d'être, comme ça a été dit dans certains témoignages, l'oiseau qui chante comme l'arbre, comme l'eau qui coule. C'est pas de la poésie. C'est pas du fantasme. C'est pas de l'imaginaire. C'est le vécu direct, authentique et vrai. Et dont les effets n'ont rien à voir avec tout le reste.
Qui veut parler? Nous arrivons au terme du temps, mais il y a une dernière question. Alors, je l'écoute. L'autre jour, il y a notre acolyte qui nous a parlé que de la dissolution de la peur. L'autre jour, votre acolyte nous a parlé de la dissolution de la peur. Donc, j'ai accueilli en moi ma plus grande peur que j'ai depuis toute petite. J'ai donc accueilli en moi ma plus grande peur que j'ai depuis toute petite. L'image, disons, de croyance religieuse de Satan. L'image de croyance religieuse de Satan. Et j'ai d'ailleurs depuis toute petite, quand je pensais à Satan. D'ailleurs depuis toute petite, quand je pensais à Satan. Toute la partie du point haut de la tête et du triangle de la terre s'irisait. Toute la partie du point haut de la terre, de la tête et le triangle de la terre s'irisait. S'irisait. Ah, comme un hérisson. Voilà, se hérissait. Donc, j'ai fait venir donc Satan vers mon cœur. J'ai donc fait venir Satan vers mon cœur. Et il s'est présenté une image d'un humain jeune avec un bel aspect. Il s'est présenté une image d'un humain jeune avec un bel aspect. À ma surprise. À ma surprise. Et il m'a regardé en me disant, je suis toi, c'est un jeu, il n'y a pas de risque. Et il m'a regardé en me disant, je suis toi. Mais c'est évident. Satan n'est pas ailleurs qu'en vous. Et alors j'ai eu une grande paix. Et alors j'ai eu une grande paix, je l'ai accueillie. Dans mon cœur. Et j'ai senti une libération, ça fait que quelques jours, hein, ça. Et j'ai senti une libération, ça ne fait que quelques jours que ça s'est produit. C'est strictement la vérité. Si vous accueillez l'ennemi, il n'existe plus. L'ennemi n'est que dans la tête. Tout n'est qu'amour. Même pour les guignols. Même pour Yaldébaot. Je vous dis, si vous avez peur du diable, de Satan, ça se passe dans votre tête aujourd'hui. Pas dans votre cœur, puisque dans le cœur, il n'existe plus. Vous en avez la démonstration. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'un archonte ou que Satan, comme vous dites, puisse contre votre cœur quand vous l'avez intégré en vous? Mais rien! C'est votre tête qui vous fait croire l'inverse. Alors, je crois que tu m'as dit qu'il était l'heure. C'est ça. Alors, Bidi, vous salue. Et Bidi va venir chatouiller les pieds et les cœurs. Merci. Je vais être très occupé durant les foudroiements. Je vous dis à demain. À demain. Merci. Et à toujours. Merci. À ce soir. Pour certains. Certains.